Salut à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je possède une boutique en ligne de vente de vêtements de la taille 40-42 jusqu'à la taille 58-60 selon les articles. J'ai également une boutique en ligne de bijoux, lesensoleillés.com, la boutique de vêtements c'est ladyandhomeshop.com. Aujourd'hui, une petite vidéo, alors il n'y aura pas de nouveautés vêtements, en revanche j'ai des nouveautés bijoux à vous présenter, des pépites. J'ai des réassorts vêtements, réassorts bijoux et j'ai un code de moins 20% sur ladyandhomeshop, valable uniquement dimanche. Voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir autant qu'à moi. Donc c'est parti, je mesure 1m70, je fais une taille 50-52 en haut. Alors en même temps je vous dis ça mais je pense pas que je vais essayer les vêtements. Pour tout vous dire, quand je filme cette vidéo on est samedi, donc c'est déjà un peu tendu en termes de timing. Du coup je pense pas avoir le temps de tout vous essayer. Je pense même ne pas faire de look forcément dans cette vidéo. On va déjà commencer par les nouveautés bijoux, donc il y a des petites merveilles. Alors... il y a cette magnifique bague, c'est la bague Olaina, je ne savais plus comment je l'ai appelée. Elle est trop belle, elle est terracotta et je ne sais pas si vous verrez mais elle est toute pailletée à l'intérieur. Attendez, hop. Voilà. Elle est trop belle, elle est réglable hein, derrière. Donc vous pouvez totalement l'ajuster en fonction de votre taille, elle est vraiment trop belle. Je sais pas si on verra bien parce que je suis à contre-jour un peu comme d'habitude, mais... non, je suis pas à contre-jour, mais j'ai beaucoup de soleil. Voilà, donc celle-ci, K, non. Si vous voulez faire des looks, vous savez, dans les tons, alors, chocolat, j'ai envie de vous dire. Alors, j'ai pas de pull chocolat sous la main, mais j'en ai pas mal pourtant. Même le blazer chocolat. Après, je vais vous faire aussi le réassort aujourd'hui des pulls fins, beige, comme ça. Léopard, avec les revers léopard. Alors, je ne peux pas les avoir en chocolat. Mais je l'ai en beige. Et je trouve que ça va quand même parfaitement avec. Voilà. Donc ça, c'est pour la nouveauté bague. J'ai une deuxième nouveauté bague, canon aussi. C'est une bague avec 3 rangs, donc c'est un effet 3 rangs, et je vous l'ai pris en deux coloris. Vous avez une première couleur qui est dans les tons noir, marron, voilà. Vous les verrez peut-être mieux en photo, hein, parce que je sais pas si ça rend bien là comme ça. Et je vous l'ai prise en cette coloris aussi, vous voyez, je trouve que celle-ci ça fait très automnal. C'est un... rouge orangé rouille, donc pareil vous pouvez vraiment les ajuster avec vos tenues et elles sont également réglables, donc ça c'est trop trop bien, vous pouvez les ajuster en fonction de votre taille de doigt. Voilà. Je n'ai pas refait mes ongles, j'aurais peut-être dû parce que ça fait pas très joli, mais et je trouve que l'idée, vous voyez, d'avoir une bague qui fait comme si vous avez 3 bagues avec des petites pierres, c'est trop joli. Elles sont trop trop belles ces bagues. Et, bah disons que j'ai fait beaucoup de bagues. Encore une bague, celle-ci, pareil, trop jolie. C'est des pétales, enfin des pétales en forme de cœur et 3 boules au milieu. Et pareil, elle est réglable derrière, donc vous pouvez l'ajuster. Je parle un peu avec la voix cassée, je suis un peu malade. Voilà. Donc elle est trop belle. J'aime bien aussi les bagues un peu imposantes comme ça. Un petit peu imposantes comme ça, ça fait tout juste quelque chose dans votre tenue. Ça accessoirise à la perfection. Voilà. Après vous pouvez évidemment comme d'habitude jouer avec les styles. Vous pouvez rajouter etc. Alors j'avoue j'ai pas ressorti tous les bijoux. J'aurais dû parce que vous pouvez faire des super combos. Mais rien que là vous voyez je suis fan. Ça habille tout de suite la main, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Ensuite, en nouveauté bijoux, on a 3 boucles d'oreilles. 3 paires de boucles d'oreilles. J'ai pas de collier cette semaine. A priori, non. J'ai 3 paires de boucles d'oreilles. Vous avez celles-ci, que j'ai pris parce qu'elles sont dans les tons marron. Et ben voilà, je trouve que ça fait très automnal. Je suis vraiment dans la période... bijoux un peu automnal, celles-ci, elles sont trop belles. Vous avez une espèce de créole fleurie. Voilà.
et ensuite elles sont marron. Donc vous venez accessoiriser, j'ai envie de vous faire des looks. Si je peux, j'essaye de vous faire des looks. En plus j'ai la lumière jaune au-dessus de moi, je sais pas si ça marche bien. Mais par exemple le pull là, c'est le Owen Bordeaux. Qui existe également en version choco. Vous mettez le Owen choco, vous mettez les petites boucles d'oreilles comme ça, chocolat, mais c'est canon. C'est trop beau. Faut que je vous les essaye après. Déjà, je vous les présente toutes. Et ensuite, vous avez celle-ci, je crois que je les ai appelées. Oh, je sais pas, je sais plus les filles. Mais sur lesensoleillées.com, de toute façon, vous allez toutes retrouver donc les bijoux, les nouveautés, les anciennes couches. Je vous fais du réassort sur le sautoir soleil, les créoles soleil que je porte tout le temps parce que je les trouve hyper pratiques. Celle-ci, je me suis gardé les deux paires également. Ce sont des vraies pierres. Donc là c'est des améthystes. Et je crois que là, c'est de l'agate bleue. Je suis fan les améthystes comme ça. Je les ai mis hier avec mon pull Victor Mauve de l'année dernière. Canon, franchement canon. Elle se pose sur vous, enfin je trouve que ça fait un super look. Si vous avez des pulls ou quoi dans les tons améthyste, violine, mauve et les marines, bah forcément dans toutes les tenues, dans les tons bleus, du jean, etc. C'est canon. Voilà, c'est deux paires de boucles d'oreilles en pierre. Je suis à fond dans les pierres en ce moment en plus, donc, donc je trouvais ça top. Et ce sont des dormeuses celles-ci. Donc par rapport aux autres, voilà, le clip, la fermeture, c'est comme ça. Donc ce sont des dormeuses. Voilà, elles sont canon. Vous pouvez faire des super looks. J'imagine trop de choses. Je vais essayer de vous faire quelques looks avant. Parce qu'il faut quand même que je vous parle du principal. Donc aujourd'hui, vous bénéficiez de moins 20% sur Lady and Mummy Shop avec le code AUTUMN20 uniquement aujourd'hui. Sur tout le site, hors l'onglet nouveauté, donc dans l'onglet nouveauté, j'ai mis les derniers réassorts que je fais, donc ceux d'aujourd'hui notamment, les pulls poncho beige, je vous les remets en stock, les pulls fins beige revers léopard, les marinières, qu'est-ce que je vous ai remis en stock aujourd'hui, les magnifiques écharpes léopard que vous adorez, j'ai réussi enfin à les ravoir, elles étaient en rupture de stock depuis un sacré bout de temps. Et j'ai réussi enfin à les ravoir, donc je suis trop contente. Donc je vous les mets également de nouveau en stock. Donc ça, vous n'avez voilà, vous avez pas moins 20% dessus, puisque c'est les derniers réassorts, les dernières nouveautés, etc. Les pulls Owen aussi ne passeront pas à moins 20%, mais tout le reste du site, oui. Dans le site, il y a quand même beaucoup de pièces. Vous avez, donc là je rentre regarder, mais toutes les robes longues Calvi par exemple. D'ailleurs je suis en train de me dire, il y a des robes, je les ai même pas revues en stock alors qu'elles sont dispo. Qu'est-ce que je vous avais d'autre? Vous avez les imperméables Victoria, les vestes Teddy, les parkas Paola de l'année dernière. Il ne reste plus que la taille 46, je crois en camel et en beige. Elles conviennent pour un 44, 46, petit 46, quoi, pas un 46, 48. Elles sont canon. Moi, je m'étais gardé la beige l'année dernière. Ouais, vraiment, elles sont canon celles-ci. Et elles sont réversibles. Donc ça, vous avez moins 20% dessus. Vous n'oubliez pas de mettre le code, s'il vous plaît. Toutes les petites blouses comme ça passent aussi à moins 20%. Voilà, n'hésitez pas à le voir sur le site, il y a vraiment des pépites. Et je vous le mets que dimanche. Donc profitez-en. Ensuite, en termes de réassort, je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis en réassort. Je vais peut-être vous faire quelques looks, notamment pour vous mettre en action les boucles d'oreilles. Je les trouve tellement belles. Allez, c'est parti. Donc je vous montre, alors je vous avouerai que je ne suis pas au meilleur de ma forme, donc je ne vais pas faire 15 milliards d'essayages. Et je vais surtout vous montrer des hauts. Donc là j'ai le pull poncho marine que vous adorez. Je vous ai fait un réassort sur le pull poncho beige qui est en rupture de stock depuis un moment. Mon fournisseur en a remis, donc j'ai sauté dessus. Donc le pull poncho marine, évidemment le long sautoir soleil que je vous remets en stock. Je le trouve mais tellement beau. Il va aller clairement avec tous les pulls assez amples, col assez haut. Je trouve que ça va très bien. Les robes également. Enfin vraiment ce petit, le petit sautoir comme ça, soleil, pépite. Et avec, j'ai pas mis de bijoux aujourd'hui exprès parce que je savais qu'il fallait que je vous montre en action les nouveautés bijoux. Alors est-ce que j'ai trouvé mon trou? Parce qu'en fait c'est ça le problème. Face à la caméra... Hop là,
Non mais regardez, oh, j'aime trop. Donc je disais, j'ai mis les magnifiques boucles d'oreilles, vous voyez, bleu marine comme ça, elles sont trop trop belles. Et je trouve que ça fait discret, mais ça pète quand même, ça fait super joli le fait que ce soit une pierre. Du coup vous pouvez la sortir avec la couleur de votre haut. Alors là j'ai mis le pull poncho, mais en fait n'importe quel haut dans les tons bleu marine. C'est trop beau, ça illumine. Les blazers Louise version bleu marine aussi iront très bien avec. D'ailleurs le code promo donc ne fonctionne pas sur les blazers Louise qui sont sortis il y a pas longtemps. Donc je disais voilà, vous pouvez assortir la couleur de vos bijoux avec vos vêtements. Je trouve que voilà, les petites, elles sont trop belles. Marine comme ça, je vous les montre. Moi, je sais qu'hier j'avais les améthystes, la couleur violine, là c'était K. Elles sont trop belles. Donc voilà pour celle-ci. Donc je disais, les blazers Louise ne passeront pas avec la promo. Mais par contre, les blazers qui étaient avec les imprimés passeront avec la promo. Donc profitez-en, ça vaut le coup, vraiment. Donc le léopard, donc le blazer Léo. Vous avez le blazer Indira. Vous avez le zèbre. Enfin, il y a vraiment pas mal de... Hop là. Pas mal de blazers qui passent avec la petite promotion. Je le trouve vraiment canon. Voilà pour ça. La bague fleur comme ça. Je crois que je l'ai appelée Camélia. Elle va avec tout. Tous les looks, elle va. Elle passe vraiment... Et je trouve que des grosses bagues comme ça, portées, vous savez, sur ce doigt-là, moi je trouve que c'est super... super jolie, elle est légère, on la sent pas et elle se resserre facilement, donc vous pouvez vraiment adapter vous pouvez l'ajuster à votre doigt. Allez, on continue, on va essayer de accessoiriser cette fois-ci avec cette petite paire. Je la trouve vraiment trop belle avec les détails des fleurs. Je sais pas si on verra bien. Vous voyez les détails des petites fleurs. Comme je vous avais dit, donc regardez comme elles sont trop belles. Je sais pas si on verra bien. Parce que j'ai quand même beaucoup de luminosité. Hein, face à moi. Mais voilà, j'ai le Owen Choco. Et j'ai mis avec celle-ci. Et je trouve trop belle. J'aurais pu d'ailleurs ajouter le cœur Choco qui est sorti la semaine dernière. Qui est canon aussi. Mais là, attendez. Est-ce que on verra mieux peut-être si on fait un truc comme ça. Est-ce que vous voyez? Elles sont pas trop belles. J'aime trop. On reste dans les tons marron chocolat. Après pareil, celui-ci pourrait aller aussi. En fait après vous adaptez. Là c'est une idée de look. Après vous mettez accessoirisez à votre convenance évidemment. La bague Olaïna, trop belle. Je fais comme ça parce qu'en fait le vernis ne va pas avec. Il est tout abîmé. Mais vous voyez, on reste quand même dans les mêmes tons. Je trouve ça super joli. Celle-ci pourrait aller aussi. Parce que vous avez des petites touches de marron dedans. Elle est trop belle. Hein, mais regardez-moi cette beauté. Je la trouve canon. Pareil. Donc associé à ça, je trouve que ça va aussi. Super jolie, celle-ci elle est facilement accessoirisable aussi avec toutes les tenues dans les tons noirs en fait, parce qu'elle va vraiment pour le coup s'adapter. Et je trouve que l'idée des trois, enfin d'une bague qui en fait trois, enfin vraiment c'est magnifique avec les pierres comme ça, trop belle. Et je pense que celle-ci pourrait également convenir. Ouais, franchement, elle peut convenir également. J'ai pas mis de bracelet, mais pourtant si, j'ai un nouveau modèle de bracelet. J'ai un nouveau modèle de bracelet. Je suis en train de voyager, je vous oublie des choses. En ce moment, je suis un peu compliquée. C'est les vacances en plus scolaires, donc du coup, je suis pas très bien organisée. Est-ce que j'ai déjà été organisée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, en ce moment, c'est plus compliqué. J'ai un nouveau modèle de bracelet, un bracelet un peu jaune. Attendez, je vais vous le chercher, qui est de canon. Donc... quand même, je me disais, mais c'est bizarre, j'ai pas sorti de bracelet. Mais si, il est trop beau. Donc ce sont des bracelets un peu style jaune, parce que vous voyez, il se présente comme ça, en doré ou en argenté. Et vous avez en fait une petite rallonge à ce niveau-là, donc vous pouvez le fermer comme ça. Après, moi perso, je veux pas forcément le fermer. Vous voyez.
mais après vous pouvez le refermer, le resserrer ou le laisser plus large. Voilà. Et donc celui-ci, moi j'aime beaucoup accumuler. Donc je vous ai dit, j'ai pas mis de bijoux, mais lui en fait, je dors avec. Vous pouvez aussi le retrouver sur Les Ensoleillés. C'est mon bracelet avec lequel je dors, je me lave. Il ne me quitte pas, je l'aime trop. Et vous voyez, si vous accumulez. Voilà, c'est trop joli. Vous mettez des accumulations, je trouve que c'est vraiment très très beau. Il est trop joli. Après, vous pouvez aussi, du coup, décider de rajouter. Voyez. En fait, ça change tout le look. Je trouve que ça finit le look. Vous avez la petite tenue simple et ça finit le look. Après, vous pouvez rajouter un collier, évidemment. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Donc, voilà pour les bijoux sur lesensoleillés.com. Donc, la team argentée, je ne vous ai pas oublié. Donc, ça, tout est disponible à partir de 9h30 sur le site. Des ensoleillés. Voilà. Ensuite, donc pour les Diane Mamie Shop, au niveau des réassorts, tout est déjà en ligne. Je vais essayer de vous les mettre assez tôt. Peut-être samedi soir, comme ça c'est fait. Et j'ai pas besoin de louper puisque ça m'arrive. Comme ça, tout est en ligne. Voilà. Je pense que je vais arrêter la vidéo. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai montré rapidement comment associer les bijoux. C'était très très rapide, mais je pense que si ma vidéo est trop longue, elle n'aura jamais le temps de se charger jusqu'à pour être en ligne demain à 10h, donc demain à 9h. Donc je pense qu'il faut assurer le coup, mais arrêter maintenant. Mais je vois des chemises pareilles. Oui, la chemise loup marron, je vous la remets en stock. Le pantalon cargo noir. Voilà, il y a plein de réassorts. J'ai essayé de faire un max de réassorts. Donc j'espère que ça vous fera plaisir et profitez donc des moins 20% avec le code AUTOMNE20. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!